Allez, on continue. Du coup, ici, manoir, enfin un four en construction. La farine a été récoltée, parfait. On va préparer la maison qui va servir de boulangerie. Je vais la mettre comme ça. Tac. Je rappelle, hein, ici, vous voyez, ça prend deux bâtiments. Mais on peut diminuer la taille pour que ça soit un seul. Donc là, on pourra ajouter une famille. Et du coup, hein, parce que ça fait la maison, plus une deuxième petite. Et un jardin ou artisanat, quoi. Ton micro, c'est un Yeti, tu sais le modèle ou pas? J'ai attendu ta pause pour te demander. Non, non, bah t'inquiète, hein, tu peux demander. C'est un Blue Yeti, après... Après, je sais pas si c'est ça le modèle. Je sais pas si c'est Blue Yeti ou... Tu préfères Manor Lord ou Europa? Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. De nourriture. Blue Yeti, ouais, c'est un vieux, hein, pour le coup. Il a pas mal d'années. Hein. Ah, Boulogne! Une nouvelle famille. Stock d'atelier de tissage est plein. Oh, mais c'est pas vrai. 79 pelotes de laine. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah là, les gens, ils ont des vêtements, hein. Ah, y'a pas de souci de vêtements. Parfait. Y'a un souci de nourriture. Bah, mange de la laine. Bon, il faut y aller, hein. Jachère, orge. On pourrait peut-être lancer un nouveau champ de... On va se faire deux champs supplémentaires de blé. Comme ça, là, on a trois champs d'orge. On va se faire trois champs de blé. Tac. Pourquoi ça tourne pas? On va les faire ici... Du coup, on peut faire grand. Hein. Et on va lancer directement le blé. 61, c'est pas dégueu. Comme ça, et... Je vais peut-être en mettre un ici. Je réfléchis. Pour séparer. Séparer blé et orge. Je préfère. Avis personnel. Hein. Oh, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien la forme qu'il a pris. Jachère et blé. Ça c'est l'année prochaine. C'est maintenant. C'est l'année prochaine. Très bien. Il a bugué. J'ai bugué? Quoi? Si je pouvais rajouter la mécanique de perso de Rimworld, ce serait fou. J'ai pas joué donc je sais pas. Niveau politique, t'as pris quoi? Rien du tout. Pas de politique. Politique, c'est pour les Grecs. On est pas Grecs, nous. Ok. Quand t'as réfléchi 15 minutes. Ah, j'ai réfléchi. Ah, putain, je m'en suis pas rendu compte. Il va nous falloir vraiment, par contre, effectivement, raser une forêt de plus. Là. Après, on pourrait se remettre un gars qui plante. On pourrait se mettre un gars qui plante. Une de civiculture. Tu vois, là, on a bien rasé. Mettre une hutte de civiculture. Comme ça, on va replanter ici.
Et le charbon, là, four à charbon. Ouais. Bûcheron. Je vais ajouter, les gars. Faut y aller, hein. Faut y aller, les gars. J'ai cru que j'avais freeze. Ah ouais, c'est vrai, j'ai bugué à ce point-là. Je m'en suis pas rendu compte. Oh, pardon. Unité ennemie repérée, quoi? Ok. Alors là, ça va chier les bulles carrées. On va se préparer au combat. Alors, comment ça marche? Accueille jusqu'à 10 unités en garnison. Les unités et les villageois en garnison tireront des projectiles sur tout ennemi à proximité. On va essayer d'utiliser ça pour voir un peu comment ça marche. Increase maximum retinue size by 12, limit to 1 per région. Je suis quand même un très très bon. Ah, bah ça se colle. C'est extraordinaire. On met une tour de guet à côté du bazar ou on la met plus loin? Ah, mais si ça agrandit, c'est un peu dommage. C'est qui les ennemis? Ils ont des noms? C'est des gens qui nous aiment pas beaucoup. Sachez les bulles carrées, je suis fan, comment vas-tu hein. Salut Jade, je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. Pardon. Est-ce qu'on tenterait pas un combat ici, voir si les gens... Vas-y, on va faire ça. Ça aurait été bien qu'ils rasent là. Attends, vas-y. Une de bûcheron. Bûcheron. Rase-moi ça là. On sait que les gens, ils arrivent par le nord. Faut qu'on puisse voir ce qui se passe, quoi. Tac. On n'aura pas le temps, évidemment. On va sortir les troupes. On va se battre à l'intérieur. Ah bon, on peut pas. Ah, si on peut. Ressources ajoutées. Imagine utiliser un entrepôt spacieux. On a rajouté quelque chose d'assez extraordinaire là. Cavalier du roi. J'aurais pu prendre des mercenaires. C'est vrai, écoutez, on n'aime pas les mercenaires. Il y a une tour là normalement là. Ouais, il y a une tour ici. Ouais, on verra pas, c'est dommage hein. On aurait apprécié quoi. J'en mets un de chaque côté. Et les archers comme ça derrière. Ils tirent dans la tour. Ça c'est stratégiquement bien joué. Au niveau nourriture, on est à 82, 17 d'orge. L'orge, c'est vrai qu'il faut. Il nous en faut plus. Mercenaires, c'est que pour Europa, la chair à canon contre les coalitions. C'est ça, exactement. Europa, d'ailleurs, DLC qui sort le 8 mai. Voilà. Par contre, venez pas attaquer les cueilleurs de baies. Hein. Ils n'ont rien demandé, eux. J'ai l'impression qu'ils veulent attaquer les cueilleurs de baies. J'achète des mercenaires. Les bergers galeuses. Les brebis galeuses, pardon. Une bande qui vient d'arriver dans la région régère de Francia, un lointain pays de l'Ouest. Ah bah, ils ont le même emblème que nous. Par contre, les brebis galeuses. C'est un Allemand qui a fait le jeu, c'est ça, vous m'avez dit? J'avais une certaine jalousie. Si je peux me permettre, il y a quand même une certaine jalousie. Les brebis galeuses pour la France. Qui vient de l'Ouest. Avec bien les drapeaux de la monarchie française. C'est pas de notre faute si t'étais mauvais, jeune Allemand, au Moyen-Âge.
Le Saint-Empire romain germanique, ils étaient pas unis. Je signe le contrat. Bienvenue. Cher mercenaire. Vous arrivez par où? Vous êtes où? Oh la vache, mais il y a un monde fou, quoi. Oh bah ils arrivent par chez moi, mais un peu loin. Mais c'est que des archers. Ah, on aura peut-être pas le temps d'arriver. En cours! Un temps qui veut combattre. Face à une brebis galeuse. C'est pas fou. C'est vrai que... C'est bien vu en vrai. Je vais les attirer. Faire un piège. Donc là j'ai payé 45 et je repaye 45 dans 29 jours. Comment on les vire? Pareil, comme ça. On va les attirer. Dans un catapult. Forward. Forward. Construction de hutte de civiculture terminée. Bien joué ça. Ok. En position. Je peux pas rentrer dans la tour, non. On verra, je sais pas comment ça marche. Préparez-vous à tirer dans la forêt, Robin des Bois. Le seigneur vous supervise. J'arrive. Oh, ça donne envie de jouer à Bannerlord. Vous tirez sur qui? Bah on sait pas trop, mais on entend crier dans le fond, donc on tire. Avec un peu de chance, il y en a une qui va passer quoi. Oh, ils sont là. Tenez la ligne. Tenez la ligne. La tour elle tire. Elle est où la tour? Ah, la tour est peut-être un peu loin. Vous êtes où vous? Encore un peu loin mais je vais manger. Salut. Bon app, on répète. Pétez-leur les genoux. Faut tirer là les gars, on n'hésite pas hein. On arrête de hurler, c'est bien ça. Je me suis revu à la limite là. On joue. Ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont partis déstabiliser l'ennemi. Vous avez plus d'arc ou... Enfin plus de flèches ou quoi? Pas équipé pour la mêlée, cadavre à proximité. Bah ouais, bah pas équipé pour la mêlée. Qui vous a demandé d'aller en mêlée? Après ça tient hein, mais vous voulez pas tirer là? Allez les gars! On compte sur vous les gars! Ah ça y est, y'en a un qui s'est dit putain, il me restait une flèche! Ah je l'ai mis dans l'arbre! On est comme un viking, ça déstabilise. Ouais, c'est vrai. Ils sont où? Ils sont où? Ah, c'est où? Quel drapeau! Quel emblème! Ordinaire! Ils sont cachés ou ils voient pas? Ils voient pas. Tirailliers. On va peut-être tuer un gars là. Encore un tir. Non mais les gars, vous tirez pas pendant 15 minutes et on a des morts mais c'est des copains. Voilà, on a pris cher. On a pris cher, heureusement que les francs arrivent. Ils peuvent pas tirer en fait. Ils pouvaient au début mais... Putain mais hey, tout seul le, la garde personnelle hein. Seul à éliminer les deux hein. Par derrière. Ah oui, viens là, si tu sais pas trop où aller toi.
c'est bon, c'est gagné. Vous pouvez rentrer chez vous, les francs. Merci. Beau boulot, les gars. Bon, par contre, on a perdu des gens. Garde personnel, on a perdu qui? Clemsa est toujours là, Damien est toujours là. Ah! Franzini nous a quittés! Franzini est mort. Il est mort au front. Quel dommage. Peut-être qu'on peut trouver son cadavre. Après, dans la forêt, c'est un peu compliqué. Oh, il est... Oh bah, il est mort à la fin, lui. On peut trouver le corps. Putain, mais il ramasse déjà ses potes. Franzini. Bon, il avait pas payé son. C'est Glemser qui lui a offert. Ah, il est là! Oh. J'arrive! Allez, ça, on est reparti couper du bois direct. Je t'ai vu, je suis là! Mais il y a du monde qui est mort à côté de la tour quand même. Franzini. Ah, il est mort d'une flèche, hein. C'est drôle. Tué par les collègues. Ah, quel dommage. Bon, ça confirme qu'il faut raser la forêt. Hein. Parce que c'est un peu galère. 103 de nourriture. Famille a rejoint les colons. À Boulogne. Ah, bien joué. On a construit là? Ah, on est en train de construire. 173! On était à 180 et quelques. Hein. On a perdu des gens. Hein. On a perdu des gens. Hein. Après, ça va, ils sont quand même assez vite remplacés. Bon, ça... Ah bah, on peut l'améliorer directement. Alors là, on en profite instantanément. Ça, on va pouvoir faire la boulangerie. Direct. Franzini oublie. Nous annonçons que Giovanni Franzini est mort le 19 avril 1401. Au front à cause d'une flèche que ce tocard de Damien lui a tiré dans le dos. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Moi, je lui en veux pas, Damien. C'est quand on fait la guerre, malheureusement, les cadavres doivent être enterrés. Quand on fait la guerre, malheureusement, il y a les morts. On a tendance à l'oublier, mais... C'est malheureusement normal. Comment ça se passe ici? C'est là. 129 jours. Bah, c'est bien, on est en train de semer, ça devrait le faire. Et là, l'orge, elle est en train de pousser. Oh, c'est bon. Je pense qu'il va nous falloir... Est-ce que je peux améliorer une maison pour qu'elle soit... Elle accueille plus de gens? Apparemment pas. Ici là. Comme ça on mettra un truc de... d'échange supplémentaire. Famille a rejoint les colons. Ici. En train de semer, quoi. J'ai confiance. 41 cadavres à ramasser. Bon, ça va se faire petit à petit, hein. Fossoyeur transporte un corps. Prêt sur champ, amélioration terminée. Parfait. Garde manger, hutte de cueilleur est plein. Ah ouais, mais il faut faire tourner. Hein. On a effectivement pas mal d'herbe au final en stock. Moins de bouche à nourrir. Ouais, on a rattrapé.
Malheureusement. Non mais ça va aller. En vrai ça va aller je pense. Cette année ça devrait le faire. On est reparti avec un bon stock de bûches. Oui, en forêt c'est quoi? Stock exposé à eau. Ouais. Plan de bandits repéré. On repart sur des brebis calleuses hein. Yes, sire! Après, tu vois, le problème, c'est que si tu utilises des mercenaires pour aller tuer les camps de bandits, ça veut dire que tu utilises l'argent que tu vas récupérer, quoi. On les transforme en terreau. C'est pas une mauvaise idée. On peut l'envisager très fortement. C'est fait, là? Ah, c'est fait. Oh, ça, ça fait plaisir. Boum! On part. Ah, merde, on n'a pas la boulangerie. Ah! Pas prévu ça. Toujours pas amélioré ça, c'est chiant en vrai. Je suis un peu trop loin du marché peut-être. Je ne sais pas. Ah mais du coup c'est là. Ah ouais c'est chiant. Pourquoi je veux partir là-dessus? Ah bah du coup boulangerie pour l'instant compliqué. Hein. Tu récupères le double voire plus. Ouais mais bon c'est une dépense. Bah tu sais tu t'optimises pas à fond quoi. Après. Est-ce vraiment dramatique? Salle de nourriture, ouais on a vraiment un. On a un souci. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va construire des maisons. On va construire des maisons. Et à la limite on va engager. Enfin on va entamer. Là, on a pas mal rasé. C'est sympa. Mais au final, ça me sert à rien. Parce qu'ici, on va pas forcément s'étendre. Et on n'a pas de fertilité plus que ça. Ça nous sert à rien. Là, on va replanter. Je vais faire ça. Tu vas replanter dans toute cette zone-là. Au rythme que tu veux. Hein. Une de civiculture. Bûcheron. Le camp de bûcheron. Ah bah on peut le déménager. Ah, je vais le déménager. Et je vais l'amener. Je vais l'amener par ici. Comme ça. Et je vais faire pareil du coup pour. Bah, en fait non, eux ils font. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va raser ici. Et on va commencer à construire des maisons. Je vais le faire, de toute façon, je vais commencer. On va dire que la route principale, c'est celle-ci là. Moi, je vais en faire une centrée un peu. Et on va faire des maisons qui vont nous servir de ferme. On a 115 pièces d'or en plus. On va faire une route un peu... comme ça et on verra. Enfin, ça va augmenter les bouches à nourrir mais bon après
Je réfléchis. Hein. Attendez. Render pet. Je réfléchis à comment positionner. C'est quand la récolte? 92 jours. Je voudrais... Ah mais c'est vrai qu'on peut mettre la route. Enfin mettre le bâtiment, détruire. Et ça élargit la route. Voilà. En fait non, je veux pas de ça. Voilà, un petit peu l'arnaque. Ça fait toujours plaisir. Trop forte. Ah, ça m'arrange pas. Pire, tu dégages les enfants vu que c'est des bouches à nourrir. Pour rien et qu'ils peuvent pas combattre et chasser. Ah, mais c'est la future manœuvre. C'est la future manœuvre. Où est la route là? Ouais, bah c'est pas gênant en vrai. C'est vrai que c'est raide là. Hein. Ah, c'est raide là. Hein. Waouh, ouais, c'est très très raide. Hein. Parce que c'est pas là, j'aurais dû. La vache, mais ouais, c'est complètement raide. C'était ici qu'il fallait que je fasse mon manoir. Ouais, bah du coup, je me suis peut-être un peu emballé sur ma route. Tu peux renommer des personnages. On peut renommer, ouais. On peut renommer, ouais. Alors, du coup, effectivement, on est un peu surpris. On a vraiment envie d'aller escalader là-haut. Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas convaincu au final. Hein. On trouvera peut-être un intérêt à faire un chemin qui va jusque là. On verra. Will Smith. Will Smith, comme disent les jeunes. Ok. Construction terminée, étale de nourriture, après sur champ. Eh, on a 5 mois de stock de nourriture. Hein. 219 baies. Ah, c'est les baies qui font la différence. Ils en sont où là? On est arrivé. S'occuper d'eux là. Ressources volées 13. Ah les gars. Tirez les mercenaires, on vous dirait pas. Bien joué les mercenaires. Point de construction. Mercenaires étaient payés. Ah. Dommage. Hein. Camp de bûcheron terminé.
Alors, du coup, ici, on va mettre un gars avancé. Tac, tac. Et on va plutôt raser en haut. On va laisser un peu la forêt au milieu. Pour voir un peu ce qui se passe. Vous êtes arrivé là? Oh, les mercenaires, ils peuvent pas ramasser? Village le plus proche. Près sur champ, il est à 365. Non, mais il est blindé. Ils mettent tout à 3, à près sur champ, mais. Mais t'es à Boulogne, c'est lui le plus proche. 226, c'est pas si mal. Ça fait quoi le VIP? Ça te met un petit logo à côté de ton pseudo. Et voilà quoi. Après ça montre surtout que t'es quelqu'un de fidèle et exceptionnel quoi. Tu sais qu'au final, je suis en train de me dire, on pourrait presque lancer un autre champ, quoi. On pourrait presque lancer les autres champs, parce qu'on peut faire quoi? On peut faire un champ de lin, encore. Fertilité du lin. Merde, c'était là. Fertilité du lin, ici. C'est vrai qu'on n'a pas mis forcément... on n'a pas vraiment regardé où on a posé... l'orge. Alors que c'était un peu le plus important. L'orge, on peut en mettre là. Je vais faire champ de lin ici. C'est un petit champ de lin ici. Je vais préparer une route. Qui va longer comme ça. Si jamais à un moment ou à un autre on veut récupérer les ressources. Et on va préparer du coup. Tac. Tac. On colle parce que c'est joli. Ah bon? Je sais pas pourquoi je peux pas le faire. Là. Après là, on peut en faire que deux à la limite. Ce sera pas le plus important, je pense. Peut-être qu'on regrettera ce que je viens de dire, mais. Ah bon? Qu'est-ce qui gêne? Tu ferais mieux d'inverser un champ de blé avec un futur de lin. De la fertilité. C'est vrai qu'on peut inverser les cultures. T'as complètement. Là, ici, on pourrait faire un champ de. En même temps, on est pareil. Hein, pour l'orge. Ah, on est pareil pour l'orge ici, ça change rien. Non, c'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. C'est juste que là, je peux pas. Non, en vrai, c'est pas si mal. Je vais le faire là. J'achère. Okay. Toujours prendre soin de moi. Roy. Quoi?
Le fameux fermier boulonné. Eh, mais tu sais que les chevaux boulonnés, c'est des chevaux qui sont très costauds, tu vois. Parce que c'est les chevaux... Alors, c'était pas forcément pour la ferme. J'ai rien dit. C'est des chevaux qui servaient surtout au transport des... au transport... Merci beaucoup, bienvenue, Nickname. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. C'était des chevaux qui servaient pour le transport, des ressources, on va dire. Jusqu'à Paris. Des chevaux de trait boulonnés. Je crois que c'était ça, le chevaux de trait. Ça s'étend un peu. Là, on a vraiment rasé la forêt, par contre. Ici, ça repousse, je sais pas pourquoi. Toujours pas amélioré, c'est incroyable, un souci. Faudrait que je fasse une autre place de marché ou quoi? Deux heures que je regarde, j'arrive pas à m'en lasser. Salut Malone, je comprends. Merci beaucoup pour le follow du coup. Je comprends. Le jeu est vraiment intéressant. Et c'est qu'un early access. Hein. C'est assez impressionnant. Ok, construction de sensu terminée. On est à 259B. Entre... Ah, et ça y est, la récolte va se terminer. C'est quand là? 62 jours avant la récolte du lin, pas du blé. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de boulangerie. Voir qu'on ajoute vraiment des gens qui bossent à fond. Là, j'ai 1000 là. C'est énorme, 300 minerais de fer. Bon, le minerai de fer, en vrai, pour l'instant, on pourrait presque stopper. Une mine. Après, il y a un gars qui bosse. Deux œufs. On est comment là? Ah là, c'est fait. Il y a des gens qui vivent? Il y a personne. Ah là, il y a quelqu'un. Tac. Potager. Il s'appelle Hubert. Il est très sympathique. Le potager. Après, on peut quand même le faire. Poulailler. Poulailler. Potager. Potager. Allez. Normalement, c'est la saison de... C'est la saison... Voilà. Vous comprenez ce que je voulais dire? Non? Moi non plus. On fait 3. Je fais une petite route. C'est toujours sympathique d'avoir des petites allées. Comme ça. Alors là, c'est le drame. C'est la saison, qu'est-ce que je disais? Je ne sais pas. Ah, c'est la saison où ici on va commencer à produire vraiment autre chose que des baies et de la viande et du pain. Donc on espère que ça va suffire pour que monsieur il se dise, ici pardon, il se dise, ah, c'est sympa en fait, que je puisse enfin l'améliorer niveau 2 et qu'on puisse du coup faire notre forge. Ça donne quoi les chèvres? De la peau seulement, mais comme on en a une quantité astronomique, 220 cuir. Pas trop de problèmes. Ah, ici on est bien, il manque plus que la taverne. La petite... Ah, on n'a pas prévu de place pour la taverne. Ah, ça c'est dommage. Ah ouais, ça on n'y a pas pensé.
Ah oui, ça c'est un peu dommage. Hop, pas de place pour la taverne. Bon, on va peut-être la mettre là, la taverne. Hein. Brasserie. Allez, c'est parti. On voulait faire la boulangerie ici, ce sera la brasserie au final. Côté de l'église. Le corps du Christ, le sang du Christ. Derrière l'église. Ouais, ce sera à côté. De toute façon, à la boulangerie, on pourra pas la faire. Il va nous falloir un habitant supplémentaire quand même. Mettre les gens. Ah, Poulogne, bah voilà, bah parfait. Hop. Et là, on est quoi? On a 200 farines. Mais il faut faire du pain, les gars. Mais comment ça se fait? Ça hésite. Je sais pas trop comment s'y prendre. Je sais pas faire du pain. J'ai l'impression que ça va bien se passer. On va peut-être avoir plus un souci de chauffage que de froid. C'est terminé. Ici ça a été labouré. Bon, ça aura pas le temps de pousser. Mais... pas grave. C'est prêt pour la suite. La récolte, c'est dans 20 jours. Mais si tout se passe bien, en vrai, ça tourne. Hein, donc, on va pas s'emballer sur plus que nécessaire. On pourrait faire une fosse commune, à la limite. À côté des champs, comme ça, avec un peu d'espoir, ça peut mettre de l'engrais. Une fosse ici. Bon, enfin, si, parce qu'il pourrait y avoir... Non, il n'y a pas de guerre. Pas de guerre. Il va falloir qu'on fasse un... C'est où ? Station de chargement. Je vais en refaire une ici. Pourquoi ? Parce que bah, du coup on va envoyer orge, blé, baie, lin. Orge, blé, baie, lin. Il vous en faudra même encore une. Le grain ou le mouton? On est où les moutons? T'as un four communal ou une boulangerie? Bah du coup là je viens de la faire. Enfin un four communal on en avait deux déjà. On en a deux. Par contre la boulangerie on peut pas la faire. C'est ça. Non ouais c'est plus ça. Parce qu'il faut, il faut ça et bon on n'est pas parti sur ça. À la limite, on pourrait partir sur ça, du coup, de ce côté-ci. Ah, on pourrait éventuellement aller chercher ça. Comme ça, on fait le pain ici, on n'envoie pas... Ah ouais, et puis après, on envoie le pain de l'autre côté. Ouais, on va faire ça, ça va être la ville, vraiment... Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Allez, on fait ça. C'est validé. Ah. Il manquait deux. Oh, tu peux faire Ronaldo ou Messi? Zidane? Ou moi? Moi, j'étais un sacré joueur. M'appelait Laurent Blanc. Et c'est pas fou. Hein. Poulailler gigantesque. 40. Ah, c'est vrai qu'en plus, ils avaient précisé que plus le jardin derrière est grand, plus ça produit. Bonne réponse du jeune Roy. Bah, bien sûr, ces histoires de Ronaldo ou Messi, c'est bon, les gars. Si vous n'êtes pas français, je comprends. Quand on est français, c'est Zizou. Mais non. Évidemment. Ah mais du coup on peut améliorer étendre l'espace de vie. Ça, si j'étends l'espace de vie, ah ça va remplacer là. Du coup il va y avoir deux familles qui vont travailler dans le champ de carottes. On va tenter. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, excellent. Très bon hollandais, néerlandais. On aime beaucoup, Ruud.
ancien de... Il a joué où? Rude. Oh, il a joué à Manchester. Il était à... au PSV avant? Non, c'était Ajax. Je sais pas. Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps le football. Eh, on a aucun problème! Ah, si. Y'a plus rien à faire là? Entre Zizou et un ballon d'or contre CR7, 5 ballons d'or. Ouais, on s'est acheté. C'est acheté, stock endommagé, une de cueille. Une quantité de nourriture, c'est astronomique. J'ai jamais vu ça. Et malgré tout, ici, on en a une quantité énorme aussi. C'est bien. Ça récolte là? Oh, ça a récolté. C'est en train de récolter. Ça a récolté 90 orges. Ils ont fini Ils n'ont pas fini la construction. Après 10 siècles de famine, les habitants ont plus faim. Ah écoute, faut voir le bon côté. Les choses s'améliorent. Why do I have to carry this alone? On va faire un petit four... four communal ici. J'en fais deux. Tous à la taverne, j'ai soif. Ah ouais, ouais, attends, la taverne. Brasserie, générale. Ah, ça marche automatiquement. Attends, ah. Approvisionnement de la taverne. La taverne n'est pas approvisionnée en bière. Donc, les choses se compliquent. Oh, elle a 24 chaussures. Ah mais c'est normal en fait. C'est normal parce que on a envoyé quoi nous? On a envoyé l'orge. Et on n'a pas la malterie. Et ouais, bien vu. Alors attendez. Malterie. Tac. Côté des fermes. Mettre là. Une chaussure pour deux, ça passe. Dès que t'as froid à un pied, t'échanges. Hein. Bon. Construction étale de nourriture à Boulogne. Eh. Ça, ça veut dire qu'il y a de la nourriture. Et pourtant. On ne peut toujours pas améliorer. Ce qu'il va leur falloir savoir du coup. Bah y'a personne. C'est arrivé. Ah bah y'a personne. Okay. Pourtant on a des poupoules là. Hein. On a des poupoules qui sont là, on attend juste des habitants. Je sais pas ce qu'ils attendent pour venir parce que pour le coup à 88% de popularité. Cadavre non enterré, ouais. Marché de nourriture trop peu varié. Bref, on a 3 carottes, 408 baies, 2 pains et 6 œufs. Avec ça, tu fais une bonne soupe. Hein. Construction. Ah, c'est pas mal, on va pouvoir bientôt améliorer là. De l'autre côté. On prend des rotations.
j'échange toutes les 5 minutes. Non mais c'est nécessaire. 27 paires. Ah, une nouvelle famille arrive. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Y'a rien là. Attendez. Faire quelque chose ici. Carotte. Se repose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se reposer? Prix. Attends. Boulanger. Bon, elle va à la fosse commune, on la voit jamais. Bah, c'est normal, je l'ai mis à l'entrée de la région. Pour que les touristes qui viennent, 24 morts. Pour que les touristes qui viennent, ils disent ah, accueillant. 7 morts dans l'église ici. Tiens, on pourrait améliorer cette église. On n'a pas besoin. Merci beaucoup, boîte à meux. Voilà la bonne blague. Merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. Merci beaucoup, vous étiez sur quoi? Merci beaucoup, bienvenue à vous. La fosse commune, les corps n'ont plus cher de chair parce que quand il y a la famine... Ouais, c'est ça. Donc on a grignoté un petit peu. Y a pas... Par contre, dans la petite église en pierre, on n'a pas mis de... on n'a pas mis de corps. J'ai 130 bois. Ah mais il me faut des planches. Il me faut des planches parce que si je veux faire les remparts... Bienvenue, on était comme toi. Ah, trop bien. Alors, pensez-vous du jeu? Si je fais ça... Je vais pas avoir assez. Il va falloir qu'on fasse du... Je vais stopper le commerce de... Enfin, l'échange de... La vente de... La vente de planches. Et je vais stopper l'échange. Où est-ce qu'on avait mis petite étable? Non. Tannerie non plus. Station de chargement. Ah bah il y avait plus en fait. Ah bah il y avait plus. Un plaisir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Sans en dire trop évidemment parce qu'on n'a pas le droit. Hein, mais... Vous croyez que le dev voulait pas que vous donniez votre avis sur le jeu. Non mais écoute, c'est vrai un peu, mais on sait pas trop en fait. Salut Hysteria, merci beaucoup, bienvenue. Donc on a rien dit. Ça reste entre nous. Hein. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. 430, mais c'est colossal quoi. Et qui avait faim? Mais on ne sait plus qui avait faim. Hein. Souvenez-vous d'une époque où... Hier encore, on devait regarder son enfant et se retenir. Mais bon, c'était mal vu. Hein. Déjà à l'époque. Ah, la malterie. Ah, ça, ça fait plaisir. Attention, l'alcool arrive. On met direct deux gants dedans. On a 169 blés. Là, c'est bon, là. Ça va bosser. Qui veut dire que de ce côté-ci, alors attendez que je me repère. De ce côté-ci, on a tout ce qu'il faut aussi. 86 blés, 90 orge. Donc on va faire les échanges. 209 B. Bon. Envoie de l'orge. L'orge. Oui, l'orge. J'ai raté l'orge. L'orge est là. 0,3. Et ici, t'arrêtes d'envoyer les baies. Et pour l'instant, t'envoies la farine. Enfin, le blé, pardon. On s'occupera du moulin et tout plus tard. J'attends la fin de l'amélioration de la sensible.
De toute façon, même si les développeurs le savent, on le donne à manger aux villageois. Normalement, la taverne va enfin être approvisionnée. On va enfin avoir les premiers alcooliques. Mais c'est vrai qu'ils boivent quoi là? Bah de l'eau. Mais l'eau à l'époque, on rappelle qu'au Moyen-Âge, c'était essentiellement du vin. Hein. Même pour les enfants. Parce que l'eau n'était pas forcément pure. Enfin, buvable. Le premier clodo. Pas forcément. Ah! Lance, non. Lance, on arrive. Pour l'instant, on s'occupe pas de vous. Frais sur champ. Boulangerie. Après, on pourra faire les pommes aussi. Hop là. La boulangerie est prête. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Il va falloir entamer officiellement la construction du moulin. Encore que de toute façon, là, on envoie le blé. Donc. Là, c'est combien, c'est 0,5? Ce qu'il va falloir surtout, c'est augmenter la production de pain. De pain. On en est où, là? 171 blé. Alors, ok. 161 farine. On espère une chose. Après, je partirai sur quoi, là? Parce que j'étais parti sur ça. Ça, au final, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire dans l'early access. Ici non plus, ça non. Ça, ça peut être cool, mais bon, voilà. Les armures, ça peut être très sympa. Mais il n'y a pas de combat, donc... Enfin, il n'y a pas vraiment de combat. Ce qu'il nous faudrait, c'est aller chercher ça, puis ça. Non, en fait, il nous faut le seigle. Il nous faut le seigle, ici. Donc, il va falloir plus de fours communaux, là. Il va falloir plus de fours communaux. Pour produire toujours plus de pain. La nouvelle famille s'est installée à Boulogne-en-Forêt. Ici. Se repose. Et a des poules à gérer. Hein. Ça fait 2 mois qu'elles sont toutes seules, les pauvres bêtes, là. Elles sont retournées le jardin. De bandits repérés. On and on. 4 maltes. Ah, ça arrive. Où est le camp de bandits? Ah, il est pas si loin. Il est pas si... Je vais pas prendre des mercenaires. J'ai un peu la flemme de prendre des mercenaires. Prendre juste la garde. Et les archers. Salut Alexella. Quoi? Je vais vous laisser. Ah ouais, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Et bon week-end du coup, parce que moi je serai en week-end. Oh, ça a bien rasé là. Ça c'est plaisant. 29 planches. La Syrie, on était comment là avec la Syrie? Et où déjà la Syrie? Il va peut-être nous falloir une Syrie supplémentaire. Série supplémentaire pour faire plus de planches. J'en ai pas une là. Hein. Regarde, elle passe pile poil là, je vais la faire. Et je vais peut-être ajouter. Vous savez ce que je vais faire puisque lui il arrive pas à s'améliorer parce qu'il a rien à manger. Je lui. Ah, c'est juste à côté. Je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à aller chercher sa nourriture. Là, tu pourras aller chercher un œuf. Hein. J'allais dire, je vais lui faire le four communal à côté, mais.
Réfléchis. Tu pourras renommer le géant de la série Geralt. Faut payer. Faut payer les points de chair. Je vais la caser là. Geralt de Rive. Alors, 37 orges. 102 laine. 104 pelotes de laine. 205 cuir. Les outils, c'est où? 78 outils. En fait, là, on est dans une situation où il y a beaucoup de popularité, mais les gens ne viennent plus. Ça, c'est dommage. Est-ce que tu peux... Tu remettras ton costume de viking. Le costume de viking, on verra. On verra. Je sais pas trop. Non mais si on le remettra, après faudra juste une occasion. Ok, ils nous ont repéré. On reste... La stratégie, évidemment, c'est être en contrebas. Ça permet de bien tirer sur ses camarades. En fait, il faudrait que je les attire. Qui viennent s'occuper de, des 8 qui sont là. Compte sur vous, les gars. Friendly fire. Pas très bien joué ça les gars. Alors il est tout seul lui contre 4. En garde. C'est passé. Bien joué les gars. Pick up the pig. Yes, sire. Pick up the pig. Bon du coup En fait il faudrait que je revendique la zone quoi. Parce que j'ai l'impression que les camps de bandits interviennent que... Enfin ils arrivent que dans les... Pourquoi je peux pas dézoomer? Ils arrivent que dans les zones non revendiquées. Après Ah revendiqué par influence on pourrait. On pourrait lui prendre sa zone quoi. Pas le faire, mais... Ouais. Pick up the pace. Yes, sire. Forward. Je vais mettre dans la trésorerie. Yes, sire. Parce que tout part... Tout part à... Après sur champ. Et je trouve ça scandaleux. On n'a pas récupéré de lin. Le lin, c'est où? Non, on n'a pas récupéré de lin. 9 et 20. Boulogne. On a 90 et 65. Alors. Attendez que je me repère normalement. Malterie. Un orge.
Orge. Malte. C'est le Malte qui joue. C'est où Malte? C'est où Malte? Malte, Malte, Malte. Malte, 9. Ok, à côté de Chypre. Quoi? Tu prends la zone, t'as gagné? Pas vraiment. On serait à 4-4. Mais bon, j'ai déjà lance qui me sert à rien. On va pas s'engager sur un autre. Déjà, gérer une zone. Toc de cordonnier est plein. Bah écoute, moi j'y peux rien. Hein. Les gens ne veulent pas me mettre de vêtements. Mais à l'entrepôt. Hein. Faut hésiter. Hein. Ah, transporte. Ah! Est-ce que ce serait pas en train de ramener le Malte là? Bah alors, on va bosser? 18 bières! Bah voilà! Provisionnement de la taverne. Ah merde, mais j'ai pas de taverne en fait. Attends. Ah, la construction d'une taverne! Bon, c'est où? C'est là? Oh ouais, d'accord, il y a la brasserie. Ah, mais la brasserie, elle fabrique la bière. Et tu la vends à la taverne. Ah, c'est pas la meilleure zone, du coup. La brasserie, on la met là. T'as assez d'étal de marché. Ouais, ouais. Encore de la place. Je mets la brasserie derrière, là, du coup. Oula, à la limite, ça peut être pas mal. À la limite, ici, c'est pas si mal. Parce que comme on va continuer de s'étendre par là, ça permet de centrer la brasserie. Normalement, on centre pas forcément par rapport à une brasserie, mais... Moi, j'aime l'idée. Allez, priorité maximale. On est parti pour la brasserie. Ah, ça y est. En fait, j'étais parti sur... Pas sur la taverne. J'étais parti sur la brasserie vend le pain. Mais du coup, pas forcément. Variété de nourriture à 76%. Il manque un peu de viande. Après. Bonjour Tintin, comment vas-tu? Quel est le but du jeu et que faites-vous? City Builder. Et par contre, vous avez vu, on a quand même géré stock de nourriture et combustible. On est bon. C'est un City Builder médiéval, donc on construit sa ville au Moyen-Âge. Il faut la gérer, produire les ressources, fabriquer. Et petite base notion. De bataille à la Total War. Après, on est sur un early access. Donc, c'est pas encore complètement optimisé. Mais. Déjà pas mal. Prêt sur champ. Après, sur champ, four communal. Ah ouais? Mais vous avez fait le moulin? Ah ouais, bah vous avez fait le moulin. Bon, on a plus de blé, mais. Alors, ce qui veut dire qu'ici, on arrêtera d'envoyer le blé à droite. On enverra du pain. T'arrêtes d'envoyer du blé. T'as quoi en surplus? Pas grand chose qui pourrait les intéresser. Ah mais si tu peux envoyer du blé. Si on peut envoyer du blé avec... si on a le temps, on fabrique quand même du grain. C'est pas si mal en vrai.
C'est pas si mal. Et là, on enverra le lin. Ouais, c'est pas si mal. Je vais mettre un gars supplémentaire ici. Je vais mettre un gars dans le four. Même pas en vrai, je vais mettre un gars dans le four. Ah, dans les deux fours. Faire tourner. On va commencer à faire du pain de l'autre côté, comme ça on enverra du pain directement. Parce qu'on va produire plus qu'ils vont consommer. Normalement. Ah, du coup, ça pourrait être intéressant d'agrandir quand même la ville. Au niveau du bois de chauffage, on a 5 mois de stock. Bois de chauffage. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais... Le camp de bûcheron. On va le décaler. Ouais, je vais le mettre là. On va le mettre ici. Bon, du coup, le stock, il faudra l'utiliser ou le ranger. Salut Anderpet, merci beaucoup, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end. Oh, 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 oh. Les gars, ils sont déjà en train de chanter. Direction la taverne. Réchauffe le cœur. Oh bah, un gars est déjà assis. Oh, il y a déjà deux bières. Let's go. 21 bières. Améliorer au niveau 3. Ah bon? Ah bah oui, parce que eux, ils ont pas besoin d'approvisionnement à la taverne. Ils sont déjà alcooliques. Tout va bien. Ah, il faut 4 tuiles pour améliorer au niveau suivant. Eh bah allez. Qui veut être amélioré là? Cordonnier amélioré niveau 3. Ah ça y est, elle veut enfin être améliorée. On va enfin pouvoir faire notre forge ici. Ah, attends, j'en ai amélioré deux niveau 3. On va en faire une nouvelle. Pourquoi pas toi. Oh là là, ça y est, on a débloqué une nouvelle étape. Ah, on est content. Comme quoi, avec un peu d'alcool. Je bois pas d'alcool en plus. Mais quand même, les cœurs se réchauffent. Et ça, c'est bon. Par contre, je veux juste voir. Le niveau 3 génère 2 unités de richesse par famille et par mois. 2 unités de richesse. Pas une, mais 2. Elles sont nécessaires pour augmenter le niveau de ville et permettre d'héberger une famille supplémentaire et 2 familles pour les terrains disposant d'une extension d'hébergement. Ok. Et les besoins d'habitation augmentent, on verra ce que ça va être. C'est obligé de trinquer, c'est vrai que c'est obligé. Santé! À la santé des viticulteurs de Bretagne. Allez ça. Lui, il est carrément assis dans la table. Le Seigneur est avec vous. Santé, jeune compagnon. Dans la paix et la liberté, nous sommes heureux. Ah. Ah, tout de suite. Ça va beaucoup mieux. Lui, il est assis carrément en dehors de la table. Tout comme lui. On a des clowns. On a les clowns en plus d'avoir des... Je sais pas quel style elles vont avoir, je suis curieux. Oh, mais beaucoup plus pierre. Mais c'est quoi là? C'est niveau 1. Regardez, on est un peu en terre cuite.
Niveau 2. C'est c'est la même structure que ça là, c'est en briques on va dire. Là on est beaucoup plus sur de la pierre. J'arrive même plus à s'asseoir normalement. Waouh. Alors là on arrive vraiment dans une cité Oh. La taille du bâtiment est colossale. Manquer de tuiles là du coup. 52 tuiles. Prairie. Pas vraiment un prairie. Manque les bûches. Le dernier, je voudrais deux pinards et trois pichets de cidre. On en a plus. On en a encore 52 or. Ouais, c'est bon, il y en a. Ça passera l'hiver. Taverne, c'est pas juste la colle, c'est aussi comme un hôtel. Ouais, c'est ça. Hôtel, restaurant. Oh là là. Incroyable la forme que ça prend. C'est pour ça que c'est grand, ouais. Allez, le petit coup supplémentaire. Boum. Niveau 3. Du coup, on peut l'améliorer, étendre. Approvisionnement de nourriture. Et à la taverne, bon, sans action de votre part, votre popularité baissera. Ouais, bon, après, ça va aller. Du coup, là, on pourrait partir sur... pourquoi pas une brasserie supplémentaire, en vrai. Parce qu'on voit bien que l'alcool, ça a l'air de bien marcher. Voilà, on part sur un tailleur. Je vais partir sur un tailleur. Parce que là, on était sur quoi? On est sur le cordonnier. C'est la rue Louis Vuitton. Le tailleur. Du village avec la neige. Ah lui il est en train enfin de se faire, ça va prendre un peu plus d'allure. Quel plaisir. 98% de bonheur. Ah, c'est le moment d'être taxé les gars. C'est le moment d'être taxé les gars. Arrêtez de rigoler. Ça va 2 minutes. Hein. 10% de taxe. Franchement... Demandez aux Français du 21e siècle s'ils seraient pas contents d'avoir que 10% de taxes. Hein? Imagine 10% et à moins 7 de bonheur. La taxe sur l'alcool, c'est ça. C'est ça. Ah, par contre, on n'a plus personne pour travailler. Ah. C'est vrai que ça, c'est problématique. 344 bûches, mais c'est peut-être un peu beaucoup. Faut pas un percepteur. Bon... Est-ce que je peux le faire? Prélever sur chaque transaction effectuée avec un marchand. C'est peut-être là. Si vous êtes officiellement en guerre, impôt militaire... Prélever la richesse à chaque fois qu'un moulin transforme 100 unités de grain en farine. Impôt du citoyen. Calculé uniquement sur les sensibles de niveau 3 ou supérieur. Somme prélevée sur la richesse régionale pour couvrir le recrutement des compagnies mercenaires. Cet impôt n'entraînera pas de perte d'approbation tant que des mercenaires seront actifs. Prélever la richesse régionale à chaque transaction effectuée avec un marchand itinérant. Je pense que c'est 20%. La nouvelle famille s'est installée à Boulogne, chez les tailleurs. Ah mais j'en avais pas déjà un de tailleur. Ah ouais, j'en avais déjà un de tailleur. C'est juste que j'ai pas de toile. Ah putain, mais il faut qu'on commence à fabriquer ça. Parce que là, les baies là, regardez, j'ai 328 baies. Oh là là, ça y est, on est enfin débloqué. Quel plaisir! On va se lancer sur la construction des dernières usines, on va dire.
Je vais couper pour le replay. Et on s'occupe de ça.